Bonjour tout le monde, c'est Caribou Kaidakupa. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu The Evil Within 2 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Bon. Une semaine qu'on n'a pas joué, je vais t'avouer que. Faut qu'on sorte de là, je pense. Ok, ouais, on est une espèce, d'hôtel. Faut sortir par ici. Pas qu'est-ce qu'il y a en premier. Les vacances sont finies, ouais. On a profité, j'espère. Bon, je peux pas ramasser ça, je suis déjà plein. Cinématique, on est sur la bonne route. Et merde. Ce connard a toujours Lily. Me voilà de retour à la case départ. Contact avec le marqueur rétabli, agent Kidman. Il était temps. Mettez-le en ligne. Sébastien. Sébastien, vous êtes là? Kidman. Enfin. Est-ce que ça va? Ce psychopathe court toujours dans la nature. J'ai activé l'émetteur. Ça a semblé le ralentir un peu. Mais il s'est échappé. Et il a toujours Lily. Elle doit être morte de peur et se sentir si seule. Il faut que je la trouve avant que quelque chose de terrible lui arrive. Je suis tout prêt. J'en suis sûr. Nous voulons autant la trouver que vous, Sébastien. Ouais, bien sûr. Vous ne voudriez pas que votre précieuse expérience échoue. Ce serait une véritable tragédie que tout ce temps et cet argent soient gâchés. Je parlais pour moi, pas pour Mobius. Écoutez, j'ai passé beaucoup de temps avec Lily pendant les tests. C'est une brave petite. Je ne veux pas qu'elle souffre. Je sais que les choses se présentent mal. Mais je crois en vous. Vous devez rester concentré pour que nous puissions la sauver. Ensemble. Oui. Vous avez raison. Merci pour les encouragements. Yo. Entends-tu, ouais? Pour l'instant, vous devez découvrir où il l'a emmené. Tu l'as, m'as-tu parlé? Il a dit qu'il s'appelait Stefano. Ah. Stefano. Bien reçu. Je vais voir ce que je trouve et je vous l'enverrai dans votre salle. Ok. Pendant ce temps, je vais aller voir O'Neill. Il peut peut-être m'aider à localiser ce cinglé. C'est là. Bonne idée. Contactez-moi si je peux vous aider. Et... Sébastien? Sébastien. Oui. Bonne chance. Merci. Faut que je découvre où il l'a emmené. J'ai peut-être bien trouvé. Il se cache même pas. C'est comme s'il me provoquait. En tout cas, s'il veut la guerre, il l'aura. Il faut seulement que je trouve comment aller là-bas. O'Neill, c'est moi. Je vois que l'émetteur de champ stable est réactivé. Bon, dites-moi que vous avez trouvé le noyau et que vous êtes en chemin. Non. Ce cinglé est là toujours. Mais je crois savoir où il est allé. Ouais, je le vois aussi. Je reçois à nouveau son signal. Il provient du théâtre à un autre endroit de la ville. Bon. Je repars pour la moelle, je suppose. Je vais avoir besoin d'être guidé un peu. Ok, je regarde ça. Apparemment, pas nécessairement des vacances. Par l'émetteur. La sortie des cinq... Quelque chose fallait que je réglais, que traînait depuis 2019. Pourquoi vous risquez de tomber là?
où j'en suis, plus rien ne pourrait me surprendre. Chapitre 6. Bon. J'imagine qu'il faut abandonner ce bout-là. Puis... On avait terminé espèce de petit hôtel. C'est là qu'on avait une... Il y avait un premier personnage qu'on a vu là. Et là j'entends un bébé broyer. Il y a deux gars qui est mort, peut-être plus. Être en première ligne est un boulot dangereux. Quoi ça? Ah, c'est lui. Regardez un peu les infos que j'ai pu trouver sur votre type. Stefano Valentini, artiste. Ouais, c'est bien lui. C'est un personnage quelque peu extravagant. Il semblerait qu'il n'ait jamais rencontré le succès qu'il attendait. Ça me rappelle un autre artiste qui s'est fait jeter de l'école d'art avant de lancer la Seconde Guerre mondiale. Ce sera pas aussi dangereux. Quand bien même. Il parle d'Hitler. Il doit être arrêté. Bon. Pogne les chiffres 1-4. C'est le petit chat qui braille. Déjà de retour, inspecteur? 1, 4. Ça, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 1, 8.
T'es encore là, Turbo? Un 4, un 8 après. Wow. Ah. C'est bon. Pour une fois. Ça doit être le passage dont parlait O'Neill. Et voilà. Lily. Oh, cet endroit me rend dingue. Bon. Un gars devant.
J'ai pas beaucoup de balles. On en trouvait d'autres, j'imagine. Société secrète qui enlève Lily et met en scène sa mort. Tu réalises à quel point c'est dingue. Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Mira, je sais que c'est difficile à accepter, mais... elle est partie. Notre petite fille est partie. Mais j'ai des preuves. Regarde. Mira, ça t'obsède. Tu as besoin de repos. Une fois que tu seras passé à autre chose, tu apprendras... Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Mira. Mira. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai pas pris. Non, pas pris. On est sur la bonne route. J'ai pas beaucoup de balles. Voilà. Bordel de merde, la taille de ce truc. Je peux peut-être me faufiler derrière. Quoi, tu?
l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant. Toi, t'as déjà joué à ce jeu-là, non? Ouais. Salut, Diabloxella, comment ça va? Ben, je tirais même si j'avais pas le gun. J'avais pas de balle dedans, j'essaie de le changer. Putain de niaisage. Oh merde. Tu peux tirer même si t'as plus de balle. Et encore lisse. Merci pour les crottes de caribou, Diabloxella! Oh yeah! Cet endroit était pas censé être stable, bordel. En tout cas, d'urgence en cas de déplacement du noyau, il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible. L'absence d'un noyau même sur quelques heures peut affecter la programmation du STEM. Si le noyau est absent plus de 36 heures, un protocole d'urgence doit être mis en place pour empêcher sa disparition. Le protocole d'urgence n'est accessible qu'aux opérateurs de Morbius dotés d'une passe de sécurité alpha et ne peut être consulté que sur les serveurs de la moelle. Les boirés. Qu'est-ce que tu joues, Diabloxella? Quelqu'un m'observait. La personne qui était là a amassé des informations à son sujet. Ne bougez plus. Vous êtes de Mobius, non? Fermez-la! Pas un mot. Vous n'êtes pas l'un des nôtres. Non, je ne le suis pas. Kidman m'envoie. Écoutez, je suis là pour aider, d'accord? Je m'appelle Sebastian Castellanos. Vous mentez! Sebastian Castellanos est mort. Quoi? Mais non. Qui vous a dit ça?
Allez, tournez-vous. Doucement. C'est bien, sa fille m'est rendue vieille. Sa femme? Non. Vous êtes Yukiko Hoffman. Ah, qu'est-ce pas vous connaissez mon nom? Je vous l'ai dit, j'ai été envoyé ici pour trouver ma fille Lily. Le noyau. Je vous dis la vérité. Je sais. Vraiment. Pas de micro-expression ni de déflexion. Pas de mise en valeur verbale. J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité. Ouais. La psychologue de l'équipe. Donc. Je dois utiliser les outils à ma disposition pour survivre. Le combat n'est pas mon point fort. Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici. Désolé de vous avoir menacé. Ils envoient des personnes extérieures à présent. Ça signifie que ça s'arrange pas. Vous avez trouvé d'autres membres de l'équipe ? Oui, mais seul O'Neill était encore en vie. Liam est vivant ? Bon. Il a fait des progrès sur la stabilisation ? Le gros émetteur est réactivé, mais cet endroit continue de tomber en ruine. Et je pense que c'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily. Il erre librement dans Union, manipulant l'environnement à son gré. Ça signifie que ma théorie était correcte. C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau. En tant que docteur, je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère. Mais ici, c'est approprié. Seul un cas clinique de psychopathie peut affecter le stem de cette manière. Une personnalité de type psychopathe utilisant Lily pour amplifier ses pouvoirs. La situation ne pourrait pas être pire. Vous êtes psy. Vous devez avoir une idée de la façon de le battre. Les psychopathes sont antisociaux. Ils manquent d'empathie et montrent des tendances sadiques. Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique. Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux ? Ouais. Il pense être une sorte d'artiste. Il passe son temps à parler de ça. Alors, la meilleure façon de l'attaquer réside dans son art. Détruire quelque chose auquel il tient pourrait lui faire perdre pied. Je garderai ça en tête. Mais il faut d'abord que je l'atteigne. Il s'est planqué dans le théâtre. Bien. La sortie des cinq, alors. Elle est juste là, dans la pièce à côté. Synchronisons nos communicateurs pour pouvoir rester en contact. Je vais reprendre mes dossiers pour voir si je peux dénicher plus d'informations sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Dans tous les cas, il va certainement être difficile à battre. Prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici. Lily me croit vraiment mort? Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais? Désolé, mais oui, elle croit que vous êtes mort. Et moi aussi, je le pensais. Jusqu'à maintenant. Mais avec le temps... J'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius. C'était pas difficile de voir que vous disiez... Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour quel genre de monstre travaillez-vous? Je sais que c'est pas juste. Mais pensez à ça. Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Ouais. Peut-être. Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai? Vous inquiétez pas. Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du STEM, comment l'un d'eux a pu finir ici? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le STEM a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret. Pour surveiller les comportements instables. Ouais, et ben ça n'a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscient de leurs conditions, comme moi, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux. Je me sens affreusement responsable de tout ça. J'ai aidé à mettre en place ces tests. Cette voix, quand même, un chapitre. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Beacon, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment cloché. Que voulez-vous dire? Les créatures. La destruction d'Union. La panne totale des communications avec Mobius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne.
17 chapitres. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible, rien que d'y penser. Quoi ? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie. À moins que c'est 13 chapitres. Lily Castellano, premier résultat. Le candidat idéal pour le noyau doit posséder un ego fort et sans entrave afin de conserver sa personnalité tout en supportant les esprits interconnectés d'autres personnes. Étant donné ces paramètres, il n'existe que deux types de candidats, les égotistes aux dépendances psychopathes et les enfants. Nous savons ce qu'il s'est passé la dernière fois. Un égotiste psychopathe est retrouvé dans le STEM. Un enfant est donc notre meilleure chance. Puisque nous avons accès aux résultats scolaires de divers établissements, nous avons pu réduire nos options potentielles. Nous pensons avoir trouvé le candidat idéal pour le noyau. Pour la personne de Lily Castellanos, ses examens montrent qu'elle est non seulement candide, mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge. Nous allons l'envoyer au Dr. Hoffman pour d'autres tests. Ça me donne de venir à ça. Et arrête de couper ce micro là.
C'est vrai, des balles, j'aurais pu en faire, par exemple. J'arrive pas à pogner la radio.
Là, faut que je vois là. Calisse, toi! Où est-ce qu'il va ? C'était quoi cette horreur ? C'est moi, à l'époque. Il y a un truc qui cloche dans cette pièce. Je dois louper quelque chose. Je dois aller plus dans une que dans une autre. Qu'est-ce qu'est l'indice? Une, deux, trois, quatre.
faire ça longtemps. Ah, ça a changé. C'est moi. Un truc qui cloche dans cette pièce. Je dois louper quelque chose. Et je pensais que c'était ça. Et on l'a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais rêvé tout ça. Fuck!
Ouch. Merde. C'est quoi son délire à lui? Bon sang, Lily est à l'intérieur. Vous n'avez pas apprécié la performance de ma superbe Obscura. Peut-être que vous aimerez mieux ceci. Écoutez. Non! À l'aide! Quelqu'un! Je prépare mon plus grand chef-d'œuvre, mais vous ne méritez pas encore d'en être le témoin. Pas avant d'avoir appris à respecter mon art. Écoutez. Écoutez leurs cris. Les échos de mon travail. On va chercher une sauvegarde. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffman. Oh. On dirait qu'il a des ennuis. C'est pas clair où qu'il faut y aller là. Ah, j'avais pas vu ça.
Ah. Je les ai trouvés. Je peux aller sauvegarder là-dedans, je pense. Non. Je me suis éloigné. Ok, je pense que c'est ce que je suis. Oui, je sais, j'ai en train de chercher comment changer de balle. Tabarnak! Merde, il y en a d'autres! Bordel, ils arrivent de là-bas! Je
passer. Tabarnak! Vous m'avez sauvé les miches. Je pensais pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes de l'équipe de sauvetage. Comment avez-vous fini ici? Je cherchais quelque chose. Et plus précisément? Écoutez, c'est dangereux ici. Venez dans ma planque, on parlera là-bas. Passez devant. Allez! See you. C'est là-dedans? Ouais, c'est là-dedans. On pourra sauvegarder là-dedans, d'après moi. Venez, ils peuvent pas entrer ici. Ah, yes. Merci encore de m'avoir aidé. Je m'appelle Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos. J'ai entendu parler de vous. Vous avez survécu à Beacon, c'est ça? Comment vous savez ça? Je suis programmeur du STEM, mais j'ai aussi d'autres talents. Du genre piratage de systèmes informatiques. Je sais plein de choses que tout le monde ignore. Et ça, ça vaut pour les membres de mon équipe. Alors vous savez qui est Lily? Ouais. On essaye tous de la trouver. Mais sans succès. C'est pour ça que vous êtes là, pas vrai? Ouais. Mais si vous ne pouvez pas m'aider, alors on n'a plus rien à se dire. Bonne chance. Hey, une minute. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Je vous écoute. Écoutez, il y a un tas de trucs ici que vous pourriez utiliser. Ça, c'est pour m'avoir sauvé. Si vous voulez entendre ce que j'ai à vous proposer, revenez me voir. Très bien, je vous écoute. Comment pourrait-on s'entraider? J'ai besoin que vous redémarriez un serveur à l'intérieur de la moelle. Ça devrait pas vous poser de problème tant que ces choses se tiennent à l'écart. Voilà sa position. Une minute, j'ai pas encore dit que j'acceptais. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous me rendez ce service, et je peux ouvrir toutes les caches de matériel pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Si vous redémarrez ce serveur, je pourrais peut-être trouver un autre moyen de quitter Union. Il existe vraiment un moyen de quitter Union? Je suis pas totalement sûr, mais je vais pas me priver pour essayer. Ils ont perdu le contact avec le STEM, on est livrés à nous-mêmes. Si on trouve pas le noyau, on va tous mourir ici. Sauf si je trouve un moyen de sortir. C'est possible? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous bassine avec du charabia technique? J'ai juste à l'allumer. Comment se fait-il qu'il soit éteint? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allumez ce serveur, je peux essayer. Regardez autour de vous, tout tombe en ruine. Je suis même surpris que quelque chose fonctionne encore. Après, Mobius aurait tout aussi bien pu l'éteindre eux-mêmes. Ils ont mis en place tout un tas de protocoles d'urgence. Vous êtes en train de remettre la grande organisation Mobius en question? Eh. Hey. Je veux bien être Troufion, mais dès qu'on me considère comme de la chair à canon, eh ben, c'est là que je commence à repérer la sortie. Vous me suivez? Ouais, je vois. Alors? Vous allez m'aider ou pas? Bon. Chaussette. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Pas une place pour sauvegarder juste là.
Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. The Evil Within 2 live sous la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!